Bonjour et bienvenue sur la Gaeta TV. Bonjour les druides, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Druid Tech et aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Bah tiens, je te le demande. Jumanji, aventure sauvage sur la Gaeta TV. J'ai chopé le jeu sur l'eShop au prix de 39,99€. Et ouais, c'est pas donné en ce moment les jeux, putain. Ils prennent masse en ce moment sur Switch, c'est bien dommage. La taille installée sur un micro SD fait environ 3 Go au niveau des langues japonais, anglais, espagnol, français. Donc il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Tu peux y jouer avec les Joy-Con et les Pro Controllers. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Classe d'âge PEGI 7 et la date de publication, c'est le 3/11/2023. Alors, j'étais pas ouf sur le premier. Et du coup, on va tester cette version-là. On va voir un peu ce que ça donne. Donc si t'as pas vu le premier, bah go voir sur la chaîne. N'hésite pas. Ou alors, je te mettrai un petit lien là-haut. Tranquille. Alors ensuite, au niveau des paramètres, qu'est-ce qu'on a? Gameplay français, impeccable au niveau des langues. Audio principal, on va laisser tout ça comme ça et on va jouer. Hop, donc c'est la première fois que je lance le jeu, c'est la première fois que je le découvre. Vie infinie, les choux ne consomment qu'une moitié de cœur. La perte de 3 vies fait recommencer un checkpoint. Ouais, vas-y, on va essayer en moyen, on va voir un peu ce que ça donne. La petite intro fait plaisir, elle passe crème, voilà, c'est pas ouf sur 20, mais elle passe, c'est le principal. Et appuyez lorsque vous souhaitez pour attaquer dans les airs. Ok. Regardez ça. On retrouve le chargement à l'ancienne, la barre de Lowling. Peu dommage. C'est une blague. Bon, déjà on peut voir. Voilà dans Jumanji. Ça, c'est une pieuvre géante. Ok, alors déjà on peut voir pas mal d'aliasing là. L'aliasing, c'est des petits carrés là qui font un escalier. Ok, donc ça c'est pour esquiver. Donc là j'appuie sur A pour esquiver. Ok, super, il y a la zone. J'ai pas besoin d'esquiver pour le moment. Ok, et là on peut piétiner. D'accord. Donc là j'appuie sur B pour piétiner. Donc petite idée tacticielle qui fait plaisir. Ok. Ça c'est pour sauter. Ok, impeccable. Donc ça se laisse jouer. Ok, on l'aura comme ça. Je sais pas combien de temps ça va durer. Là, attaquer. Ok. Donc là j'attaque avec Y. Okay, c'est pas mal. Okay, voilà la zone, on a rien à faire et du coup le bateau il prend la flotte. Là, ça va, ça se passe assez facilement. Quoi, j'étais pas dans la zone. Ah d'accord, faut pas aller là. Ok. On a esquivé. Du coup on attaque quand là? On attaque jamais en fait. Ah la sauce là. Ah voilà. Ah là faut faire super gaffe hein. Ok. On l'a eu deux fois. Ah ouais. Ah bah on bouffe le bateau. Ça ne va pas tenir très longtemps. On va pas y arriver. On va s'écraser. Alors déjà très bon point, voix française, le texte en français, ça c'est déjà très très bien. Côté maniabilité pour le moment ça le fait. On n'a pas grand chose à redire. Ok. Par contre c'est pas beau. Franchement, ça peut pas être réel. C'est juste un mauvais rêve. C'est pas un rêve. On est de retour à Jumanji. Oh Yves, j'ai besoin de mon inhalateur. Je devrais être habitué à ce corps maintenant, mais en fait, non. Ça pourrait être pire. Wouhou! Regardez-moi. Et voilà Nigel. Je trouve que les personnages sont assez mal modélisés. Et après, on est sur Switch. Nigel Billingsley,
guide du Jumanji, à votre service. Ça, on le sait déjà, Nigel. Il devrait vraiment lui donner plus de répliques. J'attendais votre arrivée. Une nouvelle fois, Jumanji est... En grand péril, on le sait. On vient de se faire attaquer par un Kraken. Le ciel est devenu noir. Les animaux sont devenus sauvages. Cela ne peut signifier qu'une chose. Que ma tante Irène est en ville. Chut, il va nous dire que... Quelqu'un a volé le joyau de Jumanji. Oui, voilà. C'est quoi votre problème, les amis? Vous n'avez jamais entendu parler d'un coffre-fort? Qui l'a pris cette fois-ci? C'est cela qui est amusant. On n'en a pas la moindre idée. Quoi? Sérieusement? On peut arrêter le blabla et passer à la cinématique? Je vais rater mon entraînement de foot. C'est pas trop tôt. Chut, il faut écouter. Le joyau de Jumanji est un ancien artefact qui protège la Terre des malédictions et des malheurs. Il est aussi une source de grands pouvoirs. Comme je l'ai dit, on ne peut pas savoir avec certitude qui l'a volé. Cependant, nous soupçonnons que le vol est lié à l'un des trois groupes d'individus très suspects qui ont récemment débarqué sur l'île. Le premier est un équipage de pirates qui a envahi la plage. Ensuite, il y a une compagnie de mercenaires qui a établi son camp dans la jungle. Et le troisième est un groupe de sauvageons qui terrorise la forêt. On compte sur vous pour trouver le coupable, reprendre le joyau et sauver Jumanji. Attendez, donc on parle peut-être de trois boss différents cette fois? Je pense qu'on va être là pour un bon bout de temps. Tout à fait. Bon, puisque Jumanji est un endroit vaste, prenez ce véhicule. Il rendra vos voyages plus faciles pendant que vous traquerez le voleur. Superbe voiture. Plus besoin de marcher ce coup-ci? C'est génial. Les bases sont posées, la mise dans l'ambiance, on sait déjà qu'on va avoir trois boss, comme ça a été cité. Pourquoi pas? Donc une durée de vie assez longue, faut le supposer. On n'en est pas sûr. À voir dans les prochaines reviews, ceux qui termineront le jeu, en combien de temps ils l'ont fait. Pour 40€, faut quand même que ça tienne. Très bien, c'est moi qui conduis. Tout le monde s'accroche. Ouais, okay. Mais nous envoie pas voler du haut d'une falaise. Donc niveau maniabilité sur la voiture, ça va. Par contre, on peut regarder au niveau du foliage, c'est pas ouf. Donc c'est toutes les textures et tout ça. Bon, on est sur Switch. Bon, l'eau, elle est... Là, on le voit bien au niveau pareil, aliasing. Hein. Bon, on va revenir dessus, mais j'espère qu'il est mieux sur d'autres supports. Je sais pas du tout où il faut aller. Niveau UHD, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est démerde-toi. Et j'essaye de le faire tant bien que mal. J'ai récupéré des pièces. Elle se manie un peu bizarrement la voiture. C'est vraiment dommage que tout soit mal modélisé. Peut-être que l'histoire est prenante. Hein. Le fait d'y jouer quelques heures, ça peut être pas mal. Moi, je suis là pour une découverte. Ce que je continuerai, on peut rien faire. Ok, il y a un panneau là. Il y a un bidon, mais on sait pas quoi. Non, ok. Donc là, il y a un mur invisible. T'es pas prévenu. Là, il y a une bouée. Après, c'est ouvert à tout le monde. Donc ça va ravir les plus grands comme les plus petits. Donc il y a la boussole en bas là. En bas. Ok. Donc là on commence et on vient dessus. D'accord. Et là on peut choisir son personnage. Donc Docteur Lain, Ruby, Mouse. Ok. Et ok. D'accord. On va prendre lui pour le moment. Et on pourra choisir d'autres personnages je pense dans l'aventure. Sachant que j'ai mis le jeu en moyen. Alors ça fait très année 1990 le fait d'avoir le chargement comme ça. Alors, j'aurais préféré une petite cinématique le temps du chargement en mode dessin comme ils ont fait. Ça aurait été super bien. Donc B pour sauter, toujours pareil. A pour esquiver. Y pour attaquer. X n'est pas défini pour le moment. Donc là j'appuie sur L. Donc ça doit servir à quelque chose. R à rien. ZL pareil. ZR y a rien. Voilà. Donc avec le joystick de droite, bah là je peux pas faire grand chose. Et avec le joystick de gauche, je peux bouger vos personnages. Donc déjà on a une baisse de framerate là. Là tu le vois bien. Je viens juste de commencer le jeu et j'ai déjà pas mes 20 FPS. Enfin mes 30 FPS. Un peu dommage. Ok, donc un schlat et ça le fait. Je peux pas tourner la caméra. C'est vraiment... C'est pas... Il y a une sensation de flou là. Beaucoup beaucoup d'aliasing, ça tue le jeu. Ça me tue les yeux. Et là tu vois bien. La baisse de framerate que tu vois, c'est pas l'enregistrement, c'est vraiment le jeu qui est comme ça.
Bien joué. Donc là, au niveau leveling, ça va. Pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose de plat. Bon, après, on est dans Jumanji. Là, je peux m'agripper. C'est automatique. Ça saute relativement bien. Là, au niveau des décors, c'est pas ouf. Hein. Si tu regardes l'arbre là, en bas à gauche, c'est pas ouf non plus. Attention, la rivière, elle est pas très bien modélisée. Enfin, attention. Là, on va récupérer un caillou. Est-ce que je peux marcher tout doucement? Non, je peux pas. Okay. Après, je joue sur un écran 4K. Donc, en 720p, sur la Switch, ça doit pouvoir passer. C'est-à-dire que tu vois moins les défauts. Mais là, pour la démonstration et le let's play, je suis obligé de me mettre sur mon écran pour voir un peu tous les défauts, les qualités. Bien joué. Bon, c'est pas aussi débile que sur la dernière version. Là, tu vois, au niveau du foliage, c'est pas ouf, hein. Ça scintille partout. Manque plus que le clipping et puis on a tout, quoi. Donc là, si tu regardes, hein, les textures, c'est vraiment des textures SD. Donc, slow definition, c'est pas... Enfin, en 2023, quoi. La pierre, ouais, voilà. C'est ce que tu retrouvais sur PS1, hein. Tu sais, en mode low poly, là. Je sais pas si je peux. Non, on peut pas, ok. Ok, donc là, il y a un truc. Là, tu vois, la texture en bas, il y en a pas, en fait. Donc t'es sur quoi? T'es sur un marécage? On sait pas sur quoi t'es. Sur quoi tu es? On n'en sait rien. Donc j'ai pas d'interaction. Donc je passe directement dans les buissons comme ça. Y a pas aucune interaction. Ça bouge pas. Que dalle. Ok. Là je peux pas y aller. Est-ce que je peux peut-être sauter là? Voilà. Faut vraiment qu'on passe cette porte. Ce sont des serrures géantes. On a donc besoin de clés géantes. Regardons. Donc pour l'instant, je n'esquive pas. Il n'y a pas de dodge. Il n'y a rien. Là, ok. On récupère des pièces. Je pense qu'à partir de 100 pièces, t'as une vie, un truc du genre. Ok. Donc là-bas, il y a une. Un monstre à battre, mais je sais pas c'est quoi. Est-ce que je peux aller dans l'eau? Ouais, je peux. Du coup, je fais quoi là? Ah, je peux pas l'avoir, dommage. Bon, il a pas l'air de m'attaquer, donc il a pas l'air d'être très très méchant pour le moment. Il m'attaquera peut-être plus tard. Tiens, tu peux m'attaquer, c'est cool. Bon, j'arrive pas à l'avoir du tout. J'aurais essayé, l'effort est là. Et du coup il m'en faut une bleue. Okay. Là j'ai rien, il y a une sorte de rebord. Ok. Donc là tu sautes avec B directement, tu prends pas la tête. Ensuite pour le jeu, si tu veux le voir sur Kick ou Twitch, tu me le dis dans les commentaires. Moi je suis OP, on peut voir ça ensemble. J'aimerais bien voir aussi s'il est punitif ou pas. Là il y a quelque chose. Je sais pas si je pourrais y aller. Je vais voir. Donc là il y a mur. Ouais, ok. Il y a un mur direct. Mur invisible. On aura essayé. J'ai perdu une vie mais c'est pas très très grave. La musique est plaisante derrière. Le sound design ça va. Bon sur les coups c'est pas ouf. Voilà, c'est vraiment pareil. Hein. Mais... la petite musique qui est derrière, j'aurais préféré une musique un peu plus Jumanji-esque. Après moi je suis fan des anciens. Les nouveaux là, je suis pas très très fan. Mais il en faut pour tous les goûts. Ok, donc ouais, là je suis en mode moyen, il aurait pu mettre une tatane, il m'a rien mis du tout. C'est vraiment dommage. Super. Ça c'est bon. C'est pas les ennemis qui me dérassent le plus, quoi. J'essaye de faire des combos, mais pour le moment, j'arrive pas à grand chose. Là, la caméra. Là, le fait que la caméra soit mal positionnée, c'est chiant. Et là, on voit encore au niveau du foliage. Alors, tout est en SD, quoi. Donc en SD, et on a des baisses de framerate, c'est un peu dommage.
Enfin, quand tu vois ce qui se passe sur Mario, Zelda et tout là, tu tapes ça, oh, tu te dis il y a un problème. À 40 balles le jeu. Ah, on a un boomerang. Astuce, vous trouverez un power-up. Chaque personnage a un ensemble unique de pouvoir lui permettant de tes souhaits. Je lance comment le boomerang? Ok. Ok, donc c'est avec ZDR. Et je pense que R aussi. D'accord, donc bah c'est impeccable. Donc j'espère que ça va nous... C'est triste. Un village abandonné. Ça va nous servir. Je suis sûr qu'on peut trouver des choses utiles ici. Dépêchez-vous, j'ai l'impression qu'on nous observe. Ok. Peut-être que ça va nous servir à récupérer des objets. Oups, ça. Ouais, ça vous aide pas mal quand même. Hein. Ah ouais. Ok. Donc c'est super bien au niveau du boomerang. Super. Au niveau de la péta, tu mets une tatane, c'est bon, le machin il est mort. Appuie sur elle. Ok. Il a pas l'air d'être méga punitif le truc. Hein. Je peux pas passer en dessous. Je peux pas m'agripper. Donc c'est fait exprès. Là je peux rien faire pour le moment. Donc énigme ou pas, j'en sais rien. Par là j'aurais pu y aller. Peut-être en haut, on va essayer. Est-ce qu'on peut? Non. Ça c'est tout seul. Donc là il y a une sorte de checkpoint je pense. Si je dis bien je pense. Hein. Je suis pas dans les petits papiers. Bien joué. Donc là on va grimper là-haut. Je suis... Non là je peux pas. Il y a un U de Jumanji, mais comment on fait pour l'avoir? Oula. Bah voilà. Donc il y a un effet de profondeur. On peut utiliser l'environnement. Au niveau du level design, c'est pas mal. Il y a Exit. Mais ça me donne pas grand chose. Bon, après, faut deviner que c'est ça. Et là, je peux pas monter là-haut. Ok, donc je sais pas quoi faire. Ok. Merde. D'accord, bah je savais pas, en fait il faut les glisser. Ok, bah je savais pas du tout. Il y a des hippos, je vais peut-être pas... Si. Non. Ok. Attends, il y a un truc là. Non, je vais récupérer ça, moi. Le M. Ah, il veut pas me le donner, hein. Donc, il suffisait de glisser. Oh putain. Eh, c'est pas possible. Est-ce que je peux récupérer comme ça? Ouais. Excellent. Donc pas mal de mécanismes de recherche. Donc ça doit être un checkpoint. Est-ce que je peux? Bien joué. C'est bon. Vraiment dommage. C'est un peu moins cucu que le premier, mais c'est pas ouf non plus. Hein. C'est magnifique. Pas quand on a le vertige. Okay. La caméra qu'on peut pas... Ça aussi c'est un petit problème. Et tiens, prends ça toi. Elle va pas chercher. Est-ce que je peux l'avoir lui là-haut? Ouais. Donc là il pourrait m'attaquer direct. Le bruit de la cascade. Ça crépite un peu dans les oreilles. Donc le boomerang est très très utile dans cette phase là. Ça vient pas à chier. Et donc là ça va nous servir à quelque chose. Ok. Donc niveau LD il n'y a rien à dire hein. Sur le level design là, c'est pas super beau mais c'est recherché. T'es pas sur un truc plat. Ça te donne envie d'aller un peu plus loin. Voilà. Et comme c'est pas punitif, bah tu prends quand même du plaisir.
Oxaramouille. Oxaramouille. J'ai pas regardé sur quel support il était sorti. Ou il va sortir. Voilà, tu vois, je me pose la question. Si je... Non, je vais pas jumper par là. Je vais plutôt descendre par là. On va voir. Ok. Bah, je voulais descendre directement. Hein. Donc là on sent on sent qu'on est frame par frame, c'est un peu dommage. Mais ça plaira aux enfants. Ça c'est sûr. Par contre c'est pas le jeu de l'année, hein, l'achetez pas 40 balles, hein, d'occasion ça le fait très très bien. Hein. Là j'ai un... Ouais je crois que j'avais un buff. Voilà. Bon, petite, petit moment d'action qui fait plaisir. Oh d'accord, j'ai pété en une seule fois. Ouah, et j'ai mis le jeu en mode moyen. Vas-y, c'est rageux quand même. Bon, l'info pour tout le monde. On va partir de ça. Hein. Oh, cet endroit est glauque. Wow, sautez. Wow, sautez. Oh ouais, carrément. Super. D'accord. Ah, ça sentit pas mal. Par contre, les décors sont assez beaux autour là. Même si on est en SD, c'est pas mal. Hein. C'est recherché. On est vraiment dans le thème Jumanji. Hein. Ah merde, 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 merde. Attends, je sais plus comment on fait. Ah oui, on comme ça. Voilà. Ouais, voilà. C'était comme ça qu'il fallait faire. Mais je t'ai montré comment il fallait faire. T'as l'astuce. Enfin, moi, je pas le skin. Les amis, est-ce que c'est ce que je pense? Déjà, bah, le pétard. Un tigre de Sibérie. Pas vraiment originaire des jungles équatoriales. Pas trop, non. Allez, Zippo. Non, non, mais on mange pas, toi. Il est fou, lui. D'accord, on va chercher ça, là. Bon, eux sont pas méchants. Ça, c'est super bien. Oh non, oh, c'était dommage. Bon, je vais essayer avec celui-là. Oui. Là, il y a un petit coffre. On va se le prendre. Bien joué. Impeccable. Alors que là, que les hippos soient pas agressifs, pour nous, c'est vachement un bon point. Hein. Ok, on peut pas aller plus loin. Ah oui, là, il y a un truc. Du coup, il n'y a pas un hippo, là. Ah, il y a un hippo, mais il est à 3 km, le machin. Non, je peux pas. Je pense que il y a moyen de l'avoir, mais plus tard. Ok. Oh, oh, oh. Non, je peux pas. Ah, il y a l'hippo là, je pourrais peut-être l'avoir avec cet hippo là, je pense. En trichant un petit peu. Ah. Ah, c'est ce qu'il fallait faire. Excellent. Ok, donc là on arrive là. Le fait, moi ça me trigger quand même de pas pouvoir bouger ma caméra comme je veux. Casse un peu les couilles. Mais bon, c'est comme ça, pas le choix. Donc là on a l'hippo là, l'hippo là, hop. On va chercher les pièces, c'est le but. Et voilà. Là c'est vraiment dommage hein, que ça... La baisse de frame là. On a bien voulu que ça soit propre. Et il faut sauter. Petite séance. Oh non, ah, j'ai oublié. On est pas mal guidé là. Y a pas d'autres joyeux à prendre. Ouais. Bon, je pense que j'ai loupé le premier J. Hein. Et là, je crois que j'ai fini le niveau. Ouais, voilà. Niveau terminé. J'ai pas eu le Jumanji. J'ai loupé dès le début, c'est sûr. Mais c'est pas grave, ça permet de refaire le niveau. Ça, c'est plutôt intéressant. Niveau 1, 3000. Bon, bah voilà. Après, si la durée de vie est assez longue, ça peut être bien, mais par contre 40 euros c'est beaucoup trop cher. Là, ça c'est sûr. Pour vous accroupir. Ah d'accord, ok, c'était L pour m'accroupir. Et appuyer sur L. D'accord. Bah voilà ce que je savais pas. Bah écoutez, on va se quitter là pour ce test de Jumanji. Donc moi, personnellement, voilà, Jumanji Aventure Sauvage. Le choix d'avoir plusieurs
cas d'usage, c'est-à-dire tu peux avoir plusieurs personnages. On regrettera la baisse de framerate, ça c'est sûr. On va regretter aussi les éléments en low definition. C'est du SD total, c'est dommage. Et du coup ça plus la baisse de framerate, ça tue un peu l'expérience. Après on est sur un level design qui est plutôt pas mal. C'est pas linéaire, donc moi c'est ce que j'apprécie. Voilà. Avoir la durée de vie. La durée de vie là je peux pas vous la dire pour le moment. J'ai pas vu de test, rien. Je te dis, j'ai pris le jeu, je l'ai téléchargé, je l'ai lancé. Donc pourquoi pas. S'il est assez long, ça peut être intéressant. S'il est pas assez long, ça va être chiant. C'est-à-dire qu'on va le claquer rapidement. Il y a un croisement pour sur la 40€. Moi personnellement, si t'aimes bien Jumanji et tout ça, je te dirais plutôt d'attendre d'avoir le jeu d'occasion ou une promotion du jeu. Si je peux, je te mettrai un petit lien dans la description pour le jeu via Amazon ou des trucs comme ça, ou Cdiscount, ou du commerce si je le trouve vraiment pas cher. Mais je te promets rien. Voilà, moi c'est, je suis un peu mitigé par rapport au premier qui était pas ouf. Ok. Là, je pense que si graphiquement il est un petit peu plus joli sur PC, j'espère qu'il sort sur d'autres supports. Hein. Ça peut être intéressant. C'est pas le jeu de l'année, hein. Il sera pas GOTY, ça c'est sûr. La maniabilité, elle est bien. Moi, voilà. Bon, après, il y a des petites astuces comme ça que j'avais pas vu. SL, machin truc, j'avais pas fait. Donc, appuyer sur L en courant pour faire une glissade. Ça, par exemple, tu vois, j'ai cherché longtemps tout à l'heure, j'ai pas trouvé. C'était un peu con. Bon, après, je sais pas lire non plus. Donc, c'est moi le prolo dans l'affaire. Et j'ai mis le jeu en mode moyen. Au niveau de la difficulté, pour l'instant. Bon. Ok, voilà. Donc, en fait, tu cours et t'appuies sur L. J'entends tout simplement. Qui coule et tu fais pareil avec SL. On est à peine. On peut y revenir sur les points positifs. Si terrible que ça. Les voix en français, donc pour les enfants c'est super bien. Sous-titres en français aussi qui est super bien pour ceux qui ont des problèmes visuels et tout. Donc là-dessus, c'est bien fait. Par contre, ouais, pas mal d'aliasing. J'ai pas vu trop de clipping. Mais bon, avec les décors en SD, c'est pas. Voilà, je reviens dessus. Mais si tu veux, quand tu passes d'un Mario à ça, oh, un petit problème. Quoi. Tu dis. Il y en a qui cherchent la rentabilité, quoi. Surtout sur Switch. Alors que. On sait ce qui est capable la Switch, hein. On le sait puisqu'on a vu Zelda, on a vu plein de trucs. Voilà, bon, après tu me diras ouais c'est Nintendo de machin. D'ailleurs j'ai même pas dit d'éditeur le développeur, je le marquerai dans la description si tu veux le savoir. Voilà, peut-être que l'équipe a pas le même budget, mais d'essayer de faire quelque chose de bien, hein, c'est appréciable. Surtout pour la fin de la Switch, là on est vraiment sur les derniers jeux de la Switch. Moi le premier Jumanji j'avais déjà pas trop aimé, j'avais plutôt bien défoncé. Celui-là se rattrape un peu, mais c'est pas non plus à l'apothéose quoi. Voilà, si t'as de l'argent à dépenser, pars sur des valeurs sûres. Si t'es vraiment fan de Jumanji, vas-y, hein. Mais... Tiens, tu vois, là, par exemple, j'en ai loupé une. J'ai vu tout à l'heure. Donc voilà, c'était mon test de Jumanji Aventure Sauvage. Je suis mitigé. Pour 40€, je suis mitigé. J'aurais eu le jeu à 15 balles. Peut-être que je serais pas mitigé. Voilà, tout simplement. Faut voir après si pour les 40€, niveau de durée de vie, ils sont dedans. Hein. Tout simplement. Peut-être qu'ils sont dedans. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a une aventure de 8 heures et tes 40€, tu les exploses comme il faut. Et t'as mis la main au porte-monnaie, certes, mais t'as une longue durée de vie. Ça ferait plaisir. Et c'est pas eu le machin là-bas? Oh, vas-y, c'est vraiment abusé là. Je suis en train de tout rater, je vous parle. Bon, allez, gigot, je vous dis à la prochaine sur Agatha TV. Salut!